Déblocage de déplacement rapide. Félicitations, le nouveau. Ton système de déplacement rapide est totalement en service. Trouve d'autres points pour étendre ton réseau. Et si t'as des ennuis, Quickie sera là pour toi. Salut! Salut! Yeah, on a un nouvel ami qui va nous aider pendant la bagarre. Tom Rhinoplasty. Ah, ça y est, toujours ça, c'est drôle. Tu t'es fait faire le visage, cowboy? Bonne idée. Ah. Puis-je te proposer de nouveaux produits, super-héros? Ils sont tombés du camion ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Artefact. Donne plus 35, plus 3, ok. Objet de création de base, costume. Non. Allez, au revoir. Joyeux Halloween, le nouveau. Oui. Attends, c'est bien Halloween? On va passer un marché. Je te suis sur Instagram si tu prends un selfie avec moi. Qu'est-ce que t'en dis? Vas-y, ça marche. Youpi! Une maman cool te suit sur Instagram maintenant. C'est chouette, non? C'est chouette. On va fouiller un petit peu. Je parie qu'il y a quand même des trucs à faire. Je parie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, peut-être qu'il n'y a rien. Hein. Ah, si, on en a un. Twiqué Greg, crème de nuit. Putain, ils sont dans ma vie de fou. Vas-y, on en a un, on va pouvoir... C'est Barbara Streisand, non? On rappelle plus trop. Je dirais que ouais. La prochaine fois, je ramène mes propres magazines. Y a un truc qui gratte dans l'air ou c'est mon visage? C'est ton visage, c'est deux. Ouais, on peut se barrer. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu es un ami de Wendy, c'est ça? Elle semble si intelligente pourtant. Oh, bâtard, elle nous clash là. Oh, bien sûr! Mon Dieu, ça va être une surprise pour Wendy. Allez, un petit selfie. Youpi! Ça ne t'embête pas si je me remets au travail? Merveilleux. Tu es un ami de Wendy, c'est ça? Elle semble si intelligente pourtant. Ah, je m'en rappelle ça, genre l'épisode en mode... Ah! Un autre... Non, à chaque fois je me trompe. Attends, comment on va le récupérer? Hop, 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 poussez-vous. On passe. Oh, comment je le récupère celui-ci? Peut-être en faisant le tour, je sais pas. Il y a des trucs qui sont verrouillés encore. Tuk tuk tuk. Ah bah comme ça, je suis bête. Yes, pousse-moi plus haut. On en a 2 sur 5. Continue. C'est ta mère qui a choisi ta tenue. Non, les bâtards. Lâche trop, elle. Arrive quoi, t'en laisseras pour les autres, Sloppy Seconds? Non. Go
Comment pourrais-je vous convaincre de souscrire à notre forfait familial ? 5G Network. Je te propose l'accès au streaming en HD en illimité et une boîte vocale en visio. Le monde t'appartient. Puis-je vous parler d'un forfait qui fait passer le vôtre pour de la grosse merdasse ? Tu veux un meilleur forfait, super-héros ? Qui pourrait t'en vouloir ? T'as pas l'air satisfait de ton forfait actuel, super-héros ? Putain. Serais-tu intéressé par un contrat qui t'assure plus de 5 gigaoctets de données par mois ? Attends, il y a quoi là ? On vient de recevoir de nouveaux accessoires, ces conneries se vendent toutes seules. Recette couvre-chef spécial radio cassette. Recette gant spécial radio cassette. En vrai, il est pas trop dégueu hein, le costume. Vas-y, on le prend. Je vais t'ajouter à notre liste de diffusion. L'artefact, on va pas le prendre, tout ce le reste, on s'en fout. Et on va voir ce qu'on peut vendre déjà. Objet de création de base. Vas-y, on va tout vendre. C'est des trucs un peu la pression, tu trouves un peu partout. Ça on va garder, ça on en a vite, vas-y, hop, hop. Et bon. Merci d'avoir fait tes achats chez Démobile. J'aime aider les gens à souscrire à un contrat de 2 ans avec messages et appels illimités. Ouais, si tu veux. Ah, on l'a vu. Mais on a pas, on a toujours pas notre... Ouais. Il nous manque un pouvoir, je sais pas ça sera quoi, mais il nous en manque un. Voilà, poste. Ah, ça, on l'a vu. Tu te rappelles avoir écrit des lettres ? Ouais, je me souviens. Ah ouais, je me rappelle avoir écrit des lettres. Tu te rappelles l'écriture cursive ? C'est là, je me rappelle. On croise des gens hauts en couleur quand on vit à 2 km au-dessus du niveau de la mer. Qu'est-ce que tu fais à traîner ? T'as perdu ton chat, toi aussi ? Verrouillé. Ah, c'est ouvert. Faut qu'on aille chez le moustique, hein. Faut pas oublier notre quête. Quelle altercation hier soir ! Ça a été une sacrée altercation ! Désolé, gamin. Reviens quand on aura fait un peu plus comme super-héros. Là, y a quoi, là ? Ah ah ! Garçon au crépuscule. Il en manque encore 2. Je pense qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. Vous, les Illuminati, vous devriez vraiment améliorer vos déguisements. Ta mère est là ou quoi ? Va l'attendre sur la route. Notre bâtard, nique ta mère, non ? Désolée, je n'aime pas les enfants. J'arrive pas à croire que j'ai un petit monstre comme toi dans le ventre. Enfin, plus pour longtemps. Tu devrais vraiment jeter un œil à notre inventaire avant qu'on se fasse poursuivre en justice. C'est quoi ce préservatif de vieux gladiateur ? Objet de mission. Ah, bah vas-y. Ah ! Attends. Mais voilà, oui ! C'est encore plus c'est facile pour... que d'acheter une arme à feu. C'est pour le papy de Stan. Une merveilleuse journée. Allez. C'est verrouillé. Y a pas détenu ? On a des produits que l'agence alimentaire n'ose même pas tester sur des chimpanzés. À ta prochaine visite, on te mettra peut-être les pieds dans les étriers. Alors. Je serais pour rejoindre l'inventaire. Et si on faisait la quête de Stan ? Non, c'est pas là. Elle est où la map ? Elle est là-haut. Donc nous, on est là. Faudra qu'on aille là. Mais
Maison de Greg. Elle est où la maison de Stan déjà? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Boutique de bébé. Maison de Greg. Touk 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 touk. Y'a pas un raccourci? Ah, si. Ah, je l'ai pas activé, je crois. C'est ça que ça veut dire, non? Comment j'utilise le... Attendez. Peut-être qu'on doit aller d'abord sur le truc. Je m'en rappelle plus, il y avait des TP dans le 1. Ouais. Voilà, hop. Je suis le plus rapide de la ville. Déplacement rapide, let's go. Je lis le nouveau. Là on avance un peu dans les quêtes secondaires. Pour voilà, parce qu'on va pas torcher le jeu quoi. A plus le nouveau. Appelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très vite. Appelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très... Appelle-moi si t'as besoin d'aller quelque part très vite. Pas de soucis. Et j'avance plus vite que toi quand même. Voilà. Mon chien Patches et sa bouteille pleine de bave me manquent. Patches, il m'aurait donné des préservatifs, lui. Mon chien Patches. Mais j'ai un préservatif pour toi, comment je te le donne? Quelqu'un a démoulé un bon gros cake et c'est pas moi. Inventaire. Je t'en ai un, mais clairement je peux te le donner. Mon chien Patches et sa bouteille pleine de bave me manquent. Patches, il m'aurait donné des préservatifs, lui. Oh ouais, je vais la faire chauffer à blanc, cette capote. Faut faire une photo avant, après. Youpi. Merci, gamin. Tu vaux mieux que ton bon à rien de père. J'ai rancun avec une jeunette de 82 ans, Billy. M'attends pas. Je vais déglinguer cette Madame McGillué dans tous les sens. Je vais faire mouiller Madame McGillué comme jamais. Si c'est pas le meilleur petit-fils du monde, on ne dit jamais combien les couilles grattent en vieillissant. J'ai rancun avec une jeunette de 82 ans, bon. Billy. M'attends pas. On en a assez. Allez, on repart maintenant. Nouveau, je t'emmène où? Attends, tu me ramènes ici. Après, faudra que j'avance. J'aurais pu prendre 7 millions de selfies déjà, sérieusement. C'est super! Mion. À plus! Voilà, on peut continuer à avancer. Alors, ici on est déjà allé. Ah, j'ai oublié qu'il y avait ça. Salut, partenaire de jeu! Tu peux te servir de tes pétards à mèche pour allumer des trucs, genre des feux d'artifice. Et ouais, c'est... j'avais compris, gros. Ah. Vas-y, mon... Tabasse, les gars, qu'est-ce qu'il y a? C'est une grosse erreur de s'en prendre au coon et à sa bande. Mais ouais, mon gars. Cogne-les, le nouveau. Boom. Comment ça se fait que t'as des lasers? J'en veux aussi. Quickie, bondis à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Y.
En fait, je comprends pas trop les... ce qui commence. Mais tu t'en fous, je crois. Je crois qu'il faut rester appuyé en fait. À défaut d'autre chose, vous cognez dessus, me fait le plus grand bien. Pas de bol, mon gars. Ça te plaît, CM1? Autant t'habituer à ce qui t'arrive. Oula, j'ai pris grave cher en vrai. Faut que. Qu'elle me saoule. Non, ils vont me mettre KO, je crois. Non, ça. Excusez-moi, mais je dois pisser dans un ballon. Ressens la colère de l'homme cerf-volant! Connard de CM1 avec un cerf-volant dans le dos! Guéri! On reprend le boulot! Sa technique. Oh, c'est déjà mon tour! D'accord! Tuk. On va voir si on peut pas soigner quelqu'un. Tuk, Y. J'ai un truc pour toi. Oh, ça c'est un trouba à l'ego. À toi, cul d'enfer. Par contre là, va falloir qu'on se médique. Restitue une quantité minimale de santé, élimine les effets d'état négatif sur la régénération. Voilà. Ça va être pas mal. C'est bon, j'ai de la place pour un hamburger entier. Là, on le voit. Le coup des savantes pour toujours. Je vais mettre mon poing si profond dans ton cul que ça t'aidera pour tes gargarismes. Ça va, Super Craig? Ouais, on ne peut mieux. Le mal craint les lasers lucaniens. Profite. Quelle gentille attention. C'est mon putain de tour, ouais. À plat et suture. Ah, aïe, aïe, aïe. Je me sens si lourd. On va fin de tour, hein. Bon, autant finir vite. Ah, je suis con. Waouh, mes tympans ont claqué. Je t'ai préparé ma spécialité. Je sens la colère qui monte là, pour être franc. Brûlez. On claque le l'ulti. Et moi qui trouvais les cerfs-volants nuls. Ravi d'avoir fait changer d'avis, Super Craig. Qui t'a dit que j'avais changé d'avis? L'excitation monte. J'en ai ras le cul de ce truc. Impressionnant pour quelqu'un soumis aux lois de la physique. Victoire. C'est le moment où les méchants regrettent leur choix. Tu as gagné! Plus on les attaque, c'est de 12 centimes! Wouhou! Les chats ont quitté South Park parce qu'ils savent qu'un tremblement de terre se prépare. Ah bon? Vous buvez l'eau de robinet ici, non? Oui, j'en suis certaine. Non. Alors qu'est-ce que tu as, ma petite? Oh mon Dieu! Qui volent les chats des autres? Tes parents aussi sont bizarres? Non. Ma mère me traite vraiment comme une enfant parfois. Hop, alors pour le moment on n'a pas grand chose. Ah, qu'est-ce que c'est que ça?
Je pars pour une petite beuverie de 3 jours, et voilà que tous les chats disparaissent. Qui rafle tous ces chats? Non mais, sérieux quoi. Bon, il n'y a pas grand chose à faire là. On va continuer à avancer, attendez. On est où? On est là, ok. Hey! Vals, Anabi. Il nous en manque plus qu'un. Travaille bien à l'école, gamin. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu deviendras le maire d'un patelin paumé dans la montagne. Tous ceux qui me trouvent condescendante peuvent rentrer bourrés à leur mobilhome en pick-up. C'est bon, on a trouvé le dernier. Twig et Greg, l'amour au bout des doigts. Qu'est-ce que c'est ? Hé, petit chasseur de yaoi. J'ai remis une récompense en cash à ta mère. Elle t'attend dans ta chambre. A plus. Sauve-toi, gamin. Le bureau de la mère n'est pas une cour de récré. C'est bien de voir que des jeunes s'intéressent à la politique locale. Pas question de te suivre si le maire ne te suit pas. Travaille bien à l'école, gamin. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu deviendras le maire d'un patelin paumé dans la montagne. Peut-être, si le maire te suit. Mais comment je fais un selfie avec le maire? Elle veut pas. Un nouvel artefact, c'est pas mal. Y a-t-il un truc qu'on peut... Bof. En tout cas, on a retrouvé tous les yaoi. Surveille tes chats. J'ai entendu dire qu'on leur met le grappin dessus ces temps-ci. Alors, faut qu'on passe par derrière. Sparks Police Station. Ok, donc là il y a des travaux, on va pas y aller. Mission périlleuse, tu veux ma photo? Parler à Adams au poste de police. D'accord. Des coups. T'es censé être qui, toi? Un prof de yoga? Vas-y, passe. Nol. Désolé, je fais pas de selfie avec n'importe qui. Je suis pas n'importe qui, moi. T'es fou, alors, mon frère. Alors, le Rital dit au Polak, si j'avais voulu des merguez, j'aurais coupé les dreadlocks de l'autre Asta. Le crime, ça paye jamais, petit, sauf si t'es flic. Nol. Full camp, petit. Oui, je prends pas de photos avec des blancs becs. Punaise. Oh, eh ben, mais qu'est-ce qu'on a là? On dirait qu'on a un autre Tom Pouce justicier, les gars. Pas vrai, petit? Eh bien, la police ne refuse jamais l'aide de citoyens responsables. Je crois qu'on peut confier à notre mini-inspecteur une affaire spéciale pour enfants. Très bien, écoute. Quelqu'un est arrivé en ville et s'en prend aux familles mafieuses. C'est un vrai méchant. Un caïd du crime qui veut contrôler tout le commerce de drogue de la ville. On a remonté sa trace jusqu'à cet endroit. Tu ouvres la voie. Mes hommes seront derrière toi. Si tu t'occupes de ce caïd, on te donnera ce badge de détective junior. C'est cool, non? Maintenant au boulot! Ça marche. Ouvre l'œil, il y a des gens louches. Tu sais très bien de qui je veux parler. Hey,
Un guérison, guérison, ok. Ouah, ouf, putain, on a toujours pas de tenue, genre stylé. Mambla watchlist. Ok. Y'a-t-il un truc qu'on peut faire? Non, je pense pas. Je pense qu'il n'y a rien là. Bonjour, bienvenue dans la salle insonorisée. Je suis un gentil inspecteur. Comment tu t'appelles? Ah oui, pas de soucis, si t'as envie de t'asseoir et de parler, dis-le moi. Je suis ravi que tu sois venu. Assieds-toi. Vas-y, on va s'asseoir. Alors comme ça, on traîne autour du poste de police. Tu veux devenir un super-héros justicier comme Ben Affleck? Tu sais ce qui est effrayant aussi? S'étouffer avec le sandwich de 30 cm à 5$ de Jared. C'est moi qui l'ai inventé. Je fais du stand-up le week-end. Voilà mon portrait. Tu sais, avec tous ces crimes, je cherche du boulot. Emporte mon portrait en ville et je te montrerai ce que j'ai dans le tiroir du bas de mon bureau. T'as envie de voir ce qu'il y a dans ce tiroir, hein? Non. Où est passé ton sourire? Va distribuer mon portrait, je saurai te remercier. Là, ça s'est fait distribuer la photo de... Poste ces photos, si, c'est pas difficile. Vas-y, ok, ça marche. Tu t'es perdu en plein voyage scolaire? Touche à rien. Touche à... Break room. Est-ce que... Non, je sais pas, allé. Ok. Là, y a rien. C'est fermé. Mais celui-là est ouvert. Pas mal. Petit passage secret. Perruque de Yolanda. Excellent. Ah, il y a quelqu'un, je crois, dans l'autre. Ah, il y a la tenue. Mais excellent. Putain, mais... Les gars, on va changer de tenue, quoi. C'est sûr. Hein. Hop là. Putain, j'ai pépé là, là j'en peux. Épique. Ah ah. Flacon qui sent. Ok. Ouvre l'œil, il y a des gens louches. Tu sais très bien de qui je veux parler. Je suis occupé, petit, peut-être plus tard. Tu veux pas faire un selfie? Personne prend un selfie? Fais ta première arrestation, après on verra. En vrai, je crois que j'ai... Attends. Comment on fait? On va pouvoir les afficher un peu partout, je pense. Ok, les flics barrent le passage. Bonjour le nouveau. Je ne t'avais pas encore rencontré, mais tu arrives au bon moment. South Park sombre dans la décadence. On vole nos chats, il y a des guirlandes de PQ.
D'accord, ce n'est peut-être pas encore l'apocalypse, mais nous avons besoin d'un héros. Je vais y aller franchement. Tu te vois comme quelqu'un de bien ? J'aime bien, c'est la décadence, oui, avec ma tenue. Mais il est un moment où il faut choisir sa voie. Veux-tu trouver Jésus et prendre le bon chemin ? Ou prendre le chemin neutre ? Ne parlons même pas du troisième. J'espère que tu fais partie de la solution, pas du problème. Mon enfant, fais le premier pas et entre dans cette chambre de méditation, où tu affronteras tes plus grandes peurs. Affronte tes peurs, nouvel enfant. Affronte tes peurs. Ton père, baiser ta mère. T'as peur du noir, des serpents, de la couleur bleue? Ouh. Ah, salut. Je suis dans ton imagination. Un simple et gentil prêtre catholique qui aimerait te connaître un peu mieux. Ouais, c'est vrai, je suis dans ton imagination, moi aussi, pour te masser les épaules. Imagine que tu ressentes quelque chose comme ça. Je vais régler la lumière pour qu'on puisse faire quelques photos avec... Ah, je crois que celui-là aime qu'on le malmène. Moi, ça me va. Oh putain, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Les enfants de Dieu méritent... What the fuck? Alors pas bouger. Où est passé ce gamin? Ouah, ce prêtre adore les enfants. T'as pas envie qu'il te fasse un câlin? T'aurais vraiment besoin d'une serviette pour le coup. Oui. Ah. Oh, ce que j'aime ça. Ouah. Tu veux pas venir au paradis avec moi? Oh putain, c'est chaud. Ah oui, il s'est relevé. Ah, Seigneur. J'ai l'amour du Seigneur en moi. À qui vais-je le transmettre? Gah! Arrête de défiler! Hé, hey, enfant de Dieu, viens, on va jouer. Oh, je suis presque prêt à te oindre de l'amour de Dieu. Oui. La grâce de Dieu me remplit. Ah, tu es la tentation incarnée. Montre-toi. Oui, attends, je vais me chauffer. Tous les enfants de Dieu méritent son amour. Alors pas bouger. Arrête de défiler. Par contre, là, faut que j'attaque les deux vu qu'ils sont bien alignés. Ah. Ouvre-toi à l'amour de Dieu. Je comprends pas trop comment on fait en fait. S'il faut appuyer avant, après, au moment. Qui veut me tenir la main et chanter Kumbaya avec moi? Kumbaya. Oh, fesse-moi.
Yes, on a gagné. C'est pas vrai. Je peux pas laisser un gamin dans le noir deux minutes sans que vous rappliquiez. Vous êtes mûr pour l'enfer. Maintenant, fichez le camp. D'accord, je vais aller voir si des cierges ont coulé. Et moi j'ai des goupillons à astiquer. Fichtre! Je me sens trop mal du coup. Tu sais quoi? Un ami rabbin m'a donné cette œuvre d'art en nouilles. Si la vie te met à l'épreuve, serre-t'en pour appeler le prophète Moïse. Bon courage pour ton apprentissage spirituel, mon enfant. Ah, c'est verrouillé, dommage, j'aurais bien aimé visiter plus. Oh, merde. Oh, t'es réagir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Faudra retenir ça à genoux devant Jésus. Alors c'est ouf. Agenouillé. Devant Jésus. Forcément quelque chose d'intéressant là. Amulette, ok. Ah. Ah bah il y a... Je te recontacterai dès que tu seras prêt pour l'étape suivante. Je serai fier d'avoir une photo de nous deux après tout ce que nous avons traversé. Tu en prends une? Allez, let's go. Youpi! Que Dieu te bénisse, nouvel enfant. Il y a un sac à dos là-bas, mais on va d'abord... Ah. Tu te rappelles comment regarde Freeman était Dieu? Ah ouais, je me souviens. Tu te rappelles quand les chrétiens s'occupaient des pauvres et des malades? Sûr, je me rappelle. On va du coup changer de costume. Ah, je suis mort. On va rester comme ça, hein. C'est stylé ou pas? Bon allez, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour le prochain. Ciao.